La marche d'aujourd'hui est une réussite exceptionnelle. Si nous avons voulu l'organiser aujourd'hui, c'est pour dénoncer les manquements de ce régime. C'est pour y stopper l'hémorragie, mettre fin aux pénuries de démocratie, aux pénuries de liberté. Le frère Abba Mbaye qui vient de passer avait été arrêté. Khalifa Sall est en prison. Karim Wade est hors du pays. Barthélémy Diaz est en prison. Nous voulons que ça cesse. Mais c'est aussi mettre fin aux pénuries d'eau. Les Sénégalais ne boivent plus. C'est mettre fin aux pénuries de liberté. On ne peut plus circuler dans cette ville. On ne peut plus circuler dans ce pays. Mettre fin aux pénuries de sang. Les Sénégalais ne se soignent plus. Mettre fin aux pénuries d'argent. Les producteurs n'ont pas été payés. Et ces commerçants arrêtés ici à Saint-Louis. Il faut que ça cesse. Le Sénégal est un pays de démocratie et un exemple dans la sous-région. Aujourd'hui, le Sénégal est aujourd'hui menacé parce que même la CEDEAO nous rappelle à l'ordre à cause de ce régime moribond de Macky Sall.